Eh bien, à présent, j'aimerais que l'on revoie un peu avec vous les 5 dernières années qui viennent de se dérouler. Souvenez-vous, 2008-2009, vous êtes projeté dans la crise. Et à ce moment-là, je dirais, c'est chacun pour soi. Vous conduisez vos entreprises jusqu'ici, avec souvent beaucoup de succès. La question est désormais la suivante. Comment avez-vous fait? Et voici deux entreprises qui ont accepté de témoigner. Il y a quelques années, 2010, souvenez-vous, un entrepreneur était venu ici même, sur scène, dire ceci. Quand on me dit que la crise que nous connaissons est une opportunité, franchement, je vous dis que c'est un emmerdement maximum. Et vous aviez applaudi. Il s'agissait d'Alexandre Sobo, directeur général du groupe Olotte. C'est un groupe de 1500 salariés, générant 350 millions de chiffres d'affaires, établi dans une vingtaine de pays et spécialisé dans la nacelle élévatrice et le chariot télescopique. Eh bien, je vous demande d'applaudir Alexandre Sobo. Bien, bonjour à tous. C'est un honneur de reprendre la parole devant une telle assemblée, finalement assez vite après la dernière fois. Et pour aujourd'hui, j'ai assisté à l'ensemble des interventions et j'avoue que la journée a été difficile. Ça a commencé par une déception assez terrible, parce qu'en fait, quand j'ai lu le programme, j'étais plein d'espoir. J'ai vu que le responsable régional du DLR, faisait un petit mot d'introduction et je me suis dit, bon, il fait pas trop chaud ce matin, je vais enfin voir Éric Fraîche avec une cravate. Et malheureusement, malgré les circonstances, il est resté, comme je le vois depuis toujours, bon client, mais jamais sans cravate, jamais avec une cravate. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'on a fait passer sur scène un concurrent de la nacelle, que je n'avais pas imaginé. Imaginez que les drones demain viendraient essayer de nous prendre un peu de travail, j'avoue que parmi la liste des concurrents, j'avais les Chinois, la baisse du dollar et pas mal de choses, mais le drone, je ne m'étais pas préparé à ça. Et puis finalement, il y a quand même une seule bonne nouvelle, si j'ai bien entendu ce qui s'est dit ce matin, c'est que je ne fabrique pas de piscine. Et donc normalement, mes trois commerciaux n'ont pas encore posé leur DEM. Alors, une fois que je vous ai dit tout ça, ben, on m'a donné un thème. C'était caché derrière. J'avoue que ça m'a laissé un peu perplexe. Et je me suis dit, à quoi ça fait penser le thème d'un devoir de philosophie. Quelque chose comme ça. Alors la question n'est pas complètement claire, mais on pourrait dire qu'est-ce qui est caché derrière quoi. Je me suis dit que me cacher derrière le pupitre, ce n'était pas une bonne idée. Et donc j'ai continué à essayer d'un petit peu réfléchir. Et puis je me suis dit, devoir de philosophie, c'est quand même pas ma matière forte. Alors si vous me promettez de ne pas le répéter à mes enfants, je vais vous donner les commentaires de mes derniers devoirs de philosophie. Le premier, c'était quelques bonnes idées. Dommage que vous ne les développiez pas, 7 sur 20. Et le deuxième, c'était le devoir suivant, ça a été, vous avez enrichi le devoir, 3 petits points en faute d'orthographe. Voilà, je vous passe la suite, et c'était 8 quand même. Enfin, 9 moins 1, pour être précis. Et là aussi, on va revenir aux mauvaises nouvelles, parce que ça, vraiment, on ne me l'avait pas dit, c'est que non seulement on me fait faire de la philosophie, mais en plus, il y a un prof de philo qui est là pour nous noter. Et là, j'avoue que je suis un peu inquiet. Alors, avant de monter sur scène, j'ai pris Thierry à part et je lui ai dit, écoutez, là, il faut vraiment m'aider. Et donc, il a accepté que, plutôt que de faire un devoir, il me pose quelques questions. Et comme c'est de la philosophie, en plus, les questions de philo, il faut juste les commenter, mais il ne faut surtout pas y répondre, donc ça devrait être assez facile. Merci. Alors, voici Alexandre. Voici donc, du coup, la première question. Souvenez-vous toujours, il y a quelques années, 4 ans, vous étiez arrivé, et ça avait vraiment marqué les esprits, vous aviez dit, attention, on peut disparaître. Et vous aviez cité Napoléon en disant, si la stratégie consiste à continuer à tirer pour montrer qu'on a des balles, eh bien notre groupe le fera désespérément et jusqu'au bout. Nous irons voir nos clients pour leur proposer les nacelles qu'ils n'achètent plus, leur proposer les services qu'ils ne demandent plus, mais nous serons présents. J'ai envie de vous demander aujourd'hui, comment allez-vous? Comment va le groupe Olotte? Bah écoutez, on a eu de la chance, puisqu'ils ont recommencé à acheter des nacelles avant qu'on s'épuise, donc je suis toujours là pour en parler. Les choses vont mieux, les choses vont pas encore bien,
On a fait notre premier résultat positif l'année dernière après 4 ans de pertes, avec une croissance d'activité de 3%. On a quand même dû fermer une usine. Au plus fort de la crise, on a fait partir une petite moitié des effectifs, 1000 personnes sur 2500. Il a fallu baisser les coûts fixes de 40%. On a divisé la production par 8. Donc on a dû faire des choses pas très drôles. En même temps, on a essayé de préserver deux choses. C'est une présence commerciale auprès de nos clients, même dans une période où ils n'achetaient pas grand-chose, parce que je vous rappelle qu'en 2009, il s'est passé quelque chose qu'on avait prévu et quelque chose qu'on n'avait pas prévu. La chose qu'on avait prévue, c'est que quand on vend essentiellement à des loueurs, on sait que les mouvements peuvent être massifs et qu'il y a des moments où ils achètent un peu tous ensemble, il y a des moments quand ils s'arrêtent d'investir, c'est assez souvent là aussi tous ensemble. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'ils feraient tous pareil dans le monde entier en moins de 6 mois. Ce qui fait que le marché de la nacelle entre le printemps 2008 et le printemps 2009, il a été divisé par 4. Donc ça a rendu les choses un petit peu compliquées, mais à force d'efforts, on s'en est sorti. Alors, je l'ai dit, le thème de mon intervention, ce sera la philosophie. Donc j'ai gardé un souvenir de mes cours de philo, c'est qu'il faut citer un certain nombre de gens. Et que globalement, une citation plus un point, deux citations plus 2 points. Donc si j'arrive à 5 citations dans l'intervention, j'espère que prof de philo me mettra au moins la moyenne. Alors sur ce sujet de gestion de la crise, j'en ai une première. C'est Sénèque qui a dit « Il n'est de vent favorable qu'à celui qui sait où il va ». Vous avez donc dit ça à François Hollande ? Oui, je vous le confirme. Un certain nombre de ses conseillers et de ses ministres aussi, pas plus tard qu'il y a 10 jours. Je ne sais pas s'ils ont goûté la phrase, mais je pense que ça serait important qu'ils la méditent. Et je dirais, si vous devez retenir qu'une seule chose de pourquoi on s'en est sorti, c'est pour ça. Parce que le tsunami qui est passé sur Olot a été très fort, mais on s'y était quand même préparé. On avait un objectif, préserver nos capacités de R&D, préserver la confiance de nos clients. Et on s'est accroché des deux côtés à ces deux sujets, on a réduit tout le reste. Et puis on a attendu que ça passe, et on a eu de la chance, c'est passé avant qu'on ait lâché les 2 points d'appui. Et donc on est toujours là pour en parler. Si on prend rien que le contexte français, quand même, il est compliqué, il est difficile pour le moins. En tous les cas, depuis 24 mois, je vais très vite, je ne vais pas citer tout, mais climat défavorable sur la notoriété même de l'entreprise, également un certain nombre de mesures qui vont cas à cas, qui ne développent pas tous leurs effets, flexi-sécurité, c'était quand même il y a presque 2 ans, le CICE, etc. On en est maintenant au pacte de responsabilité, peut-être, et dans quelles conditions, etc. Dans ce contexte-là, d'abord, quelle est votre impression? Comment le vivez-vous? Comment le vit le groupe Olot, qui a quand même son siège en France? On a toujours une petite moitié de nos effectifs, la moitié de nos usines, le cœur du groupe est en France, donc c'est clair que l'environnement business en France, j'allais dire, on m'a demandé d'être positif, donc je vais le dire de façon simple, il ne peut que s'améliorer. Encore que, je ne pense pas que vous soyez intéressé de près au programme législatif de notre gouvernement. Mais il a quand même prévu d'ici la fin de l'année de renforcer le pouvoir d'inspection du travail, de multiplier les contrôles sur l'égalité homme-femme, d'instituer la pénibilité, et je vous passe quelques autres joyeusetés. Donc s'il ne revient pas là-dessus, je ne suis pas sûr que l'envie et le climat s'améliorent énormément. Mais si je devais résumer le drame français, et ça va me permettre de faire une deuxième citation, je dois arriver à 5, hein, minimum. Non, mais Heinz prend note. Donc... Voilà, j'espère. Oui. J'espère qu'il fait attention. Je voudrais citer Bossuet. Alors, je vais la lire doucement parce que chaque fois que je le fais, j'ai un peu de mal. C'est « Dieu se rit de ceux qui se plaignent des effets dont ils chérissent les causes ». Voilà. Et en fait, c'est très caractéristique de la France. C'est-à-dire, quand on a un problème, on ne se demande pas quelle est la cause du problème pour l'éradiquer, on se demande comment en limiter les conséquences. Et le résultat, c'est qu'on ne règle jamais la question. Alors, on en limite les effets, mais à chaque fois, on génère des effets induits de ce qu'on a fait et finalement, on se contente de déplacer le problème sans jamais l'éradiquer. Et je vais prendre un exemple. En 97, il y a un gouvernement qui est arrivé au pouvoir et qui a eu une excellente idée pour améliorer la situation de l'emploi, c'est de partager le travail. Mais quand on réfléchit bien à ce qu'il a fait, il a décidé d'investir 15 milliards d'argent public pour donner entre 10 et 15 jours de vacances aux gens qui avaient déjà du boulot. Quand on le formule comme ça, on se demande comment ça peut marcher. Et d'ailleurs, ça n'a pas marché. Mais le pire, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'on a fait ce diagnostic, et c'est arrivé assez vite après, le pouvoir qui avait fait ça, il n'est finalement pas resté très longtemps après. Les 35 heures, c'est 2000, et en 2002, nouveau gouvernement.
Et la question se pose, qu'est-ce qu'on fait des 35 heures? Donc là, il y a un ministre des Finances à l'époque, industriel, grand industriel, qui s'appelle Francis Maire, qui va voir le président de la République, déjà un Corrézien, et qui lui dit, Monsieur le Président, j'espère que vous êtes bien conscient qu'avec tout ce qui a été fait avant, l'industrie française est en danger, et que ça serait bien de prendre un certain nombre de mesures fortes pour éviter ou ralentir ou lutter contre la désindustrialisation qui est en cours. Est-ce que vous connaissez la réponse du président de la République? Francis, à notre âge, on ne va pas s'emmerder avec ça. Eh, c'est vrai, hein, je crois qu'il l'a mis dans ses mémoires. Bon, donc 5 ans se passent sans qu'il se fasse grand-chose. Le problème demeure et on fait des petits ajustements, on libéralise un peu des heures sup de ceci, de cela, et encore à peine. Et puis, en 2007, on change de président. Là, de nouveau, un certain espoir qu'on va toucher au sujet. Il ne vous a pas échappé que les 35 heures sont toujours en vigueur et que donc on travaille avec ce boulet au pied de 15 milliards de dépenses publiques pour financer 10 à 15 jours de vacances des gens qui ont du boulot, quand à peu près partout ailleurs, les gens ont une capacité de travail infiniment supérieure. Donc, si on ne règle pas les problèmes à la racine, on essaye d'en limiter les conséquences, ça n'avance pas. Et en fait, c'est bien ça le drame de la France. Alors, j'ai droit, je demande à ce que celle-là compte pas, mais j'ai quand même une troisième citation à faire à ce moment-là. C'est « J'ai peur qu'on se soit trop inspiré d'Allais qui a dit « Quand on ne travaillera pas les lendemains des jours de repos, la fatigue sera vaincue. » Mais je pense qu'il faudrait l'oublier, celle-là aussi. Donc c'est pour ça que je ne veux pas qu'elle compte dans mon ensemble. Mais on a une vraie difficulté sur la France, c'est de se dire quand on a fait une erreur, il faut la corriger, il ne faut pas juste en corriger les effets. Et je pense que vous êtes, enfin tous les chefs d'entreprise dans notre salle sont comme moi, on fait tous des erreurs. Il y a toujours des choses qu'on ne réussit pas aussi bien qu'on voudrait. Et celui qui n'en fait jamais, je pense que c'est un menteur ou qui s'illusionne. Donc, mais la question, c'est quand on en fait, il faut aller les identifier, il faut les corriger. Il y a plein de méthodes pour ça, d'amélioration de la qualité, d'identification des problèmes. Chez Holot, depuis 5 ans, on fait des enquêtes de satisfaction client. Je vous confirme, quand j'ai reçu les résultats de la première, je n'étais pas très fier. On pensait qu'on était bon et en fait, nos clients nous ont dit « vous êtes gentils, mais vous êtes moins bons que les autres ». Alors, dans ce cas-là, on a 2 solutions. On a la solution d'un gouvernement français, c'est « je change le panel client ». J'interroge que ceux qui me disent que je suis bon. Et l'année d'après, c'est meilleur. On a plutôt essayé de faire la méthode qui marche, on a continué à interroger les mêmes en bossant dur sur tous les sujets, ils nous avaient dit qu'ils n'étaient pas bons. Mais je pense que c'est ça le cœur du sujet. Je pense que le drame de la France, c'est qu'on ne corrige jamais les erreurs qu'on fait, on se contente d'en limiter les conséquences. Et à force de les accumuler, on finit dans les ennuis. De la France, passons à l'Europe. Est-ce que le destin français est toujours un destin souverain? Ou bien est-il un destin aujourd'hui guidé de plus en plus par la Commission de Bruxelles, qui met un canon sur la tempe, avec des menaces d'ailleurs d'ajustement avec amende? Il y a aussi la présence allemande, avec son époustouflante réussite économique, qui apparaît comme le premier de la classe et qui donc impose ou imposerait un certain nombre de rythmes ou de cadences. Là-dessus, quelle est votre considération et comment le groupe Holot le vit? Alors, on va peut-être commencer par le groupe Holot. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles on est toujours vivant, c'est qu'effectivement, près de 10 ans avant la crise, on a décidé de sortir de France et d'aller chercher des marchés, d'abord en Europe, puis dans tout le reste du monde. Et aujourd'hui, Holot, c'est une 20aine de filiales dans le monde couvrant l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'essentiel de l'Asie, l'Australie et tous les grands pays d'Europe. Donc aujourd'hui, on a une vision globale du monde. Alors il y a 2 choses qui sont importantes. La première, c'est quand même de se dire que c'est simple nulle part, mais il y a assez peu d'endroits où c'est aussi compliqué et aussi difficile qu'en France. Et je crois qu'on est quand même un des rares endroits où on a réussi à éradiquer l'envie d'entreprendre. Alors, je sais que chacun d'entre vous se bat tous les jours pour continuer, mais quand même, l'objectif, le constat objectif qu'on fait, c'est que c'est quand même plus dur qu'ailleurs. Alors, je vais vous donner quelques anecdotes. La première, c'est une question. Il y en a peut-être qui la connaissent. Vous connaissez la différence entre un paysan suisse riche et un paysan suisse pauvre? C'est simple, le pauvre nettoie lui-même sa Mercedes. Et là, j'ai droit à ma 3e citation, je crois. C'est une autre illustration de la différence. C'est Cocteau qui a dit « La France a toujours cru que l'égalité consistait à trancher ce qui dépasse. » Et ça, on le trouve nulle part ailleurs. Quand on va en Europe, on arrive à faire des choses, on arrive à bouger. Et j'ai une phrase qui le résume très bien, c'est de dire « Un chef d'entreprise allemand, c'est un héros. Un chef d'entreprise français, c'est un suspect. »
Et je pense qu'on est au cœur, on est au cœur de la différence. Alors maintenant, je ne veux pas non plus qu'on pense que tout est parfait partout. Et puis, finalement, il faut quand même regarder le marché européen avec une certaine lucidité. Avant la crise, le marché européen, c'était un tiers du marché mondial de la nacelle. Après, ça n'est plus que 20%. Donc il y a quand même une vraie différence. Et si on se re... j'ai écouté ce qui a été dit ce matin, je pense que se projeter un peu dans l'histoire et voir ce qui s'est passé, c'est le futur, finalement, ce n'est qu'une répétition du passé. Je pense qu'il est important, là aussi, que tout le monde soit bien conscient que la domination de l'Europe sur le monde pendant près de 5 siècles, en fait, c'est un accident de l'histoire. L'histoire était écrite pour que ce soit la Chine qui domine le monde. Et puis, à travers quelques décisions politiques autour du Moyen-Âge, vers les années 1300, 1400, 1500, la Chine s'est mise à décliner, à laisser l'Occident et l'Europe en particulier dominer le monde. Mais il s'en est pas fallu de beaucoup pour qu'on soit tous sous domination jaune. Enfin, je vais faire attention avec les couleurs parce que dans cet environnement, il y a des significations auxquelles il faut que je fasse attention. Le jaune et le rouge étant deux couleurs assez sensibles, je crois. Parlons du monde. S'agissant, puisque vous êtes implanté avec une vingtaine de filiales dans le monde entier, on nous dit ou on nous laisse croire, en tous les cas, que partout ailleurs, c'est le paradis. Déjà, vous avez dit une chose, je la reprends. En France, c'est plus compliqué qu'ailleurs, c'est vrai, mais ne croyez pas qu'ailleurs, c'est le paradis. Maintenant, où se projeter dans l'espace, dans les différents pays ou dans les différents continents, pour accrocher éventuellement de la croissance ou accrocher éventuellement de l'espoir ou de l'envie d'entreprendre? Je pense que, en particulier dans un métier comme le nôtre, où finalement c'est à peu près le même produit qu'on vend partout dans le monde et où tous nos grands concurrents vendent partout dans le monde, malheureusement, il ne faut pas choisir, il faut avoir comme objectif d'être partout. Il faut être partout pour pouvoir profiter des bons moments où on est au bon endroit, où la croissance, parce que prévoir où sera la croissance, si on regarde ce qu'on pensait il y a 3 ans, on s'imagine dès aujourd'hui, et je pense que dans 3 ans, ce sera encore différent. Mais une fois qu'on est partout, il faut apprendre chaque pays. Alors là aussi, ne croyez pas que c'est le paradis partout ailleurs. La première fois que je suis allé au Mexique, j'ai rencontré un chef d'entreprise mexicain, et pour moi, le Mexique, c'était l'atelier des États-Unis, le pays où tout était simple et facile, on pouvait vraiment faire le métier d'entrepreneur dans des conditions idéales. Et donc, je lui ai posé la question, chez vous, c'est vraiment facile. Et sa réponse a été, vous savez, au Mexique, on a une devise, c'est un salarié, deux problèmes. Donc, je me suis dit que ce n'était pas aussi facile que ça partout ailleurs. Ensuite, on a été, un autre exemple, c'est le Brésil. Le Brésil, depuis 3 ans, ça va bien, le marché double quasiment tous les ans. Mais malgré tout, quand on fait du business là-bas, on est confronté à une administration tentaculaire, à des régions qui se battent entre elles. Et donc, là aussi, si vous voulez une petite anecdote, au Brésil, quand on vend des machines, on les vend dans un état à un client, elles rentrent dans le pays par un état, c'est le port dans lequel ils rentrent, qui n'est en général pas celui où on est implanté. Et donc, on a 3 états qui nous disent, l'ensemble des taxes à l'importation, elles sont pour moi. Alors nous, on est d'accord pour les payer une fois, mais 3, c'est compliqué. Donc on leur dit, mettez-vous, nous, ça nous est égal de savoir à qui on les paye, donnez juste la règle et on les payera où vous voulez. Et ils nous disent, ah non, 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 pas du tout. Je ne sais pas où vous les avez payés, mais vous nous les payez à nous et vous demandez à l'autre de vous les rembourser. Ce qui, quand on connaît la justice brésilienne, est à peu près la certitude de payer 3 fois et de revoir peut-être ses sous dans une dizaine d'années. Donc on est quand même dans des environnements compliqués. Là aussi, si on prend un autre pays, c'est l'Argentine. L'Argentine est un pays qui connaît des difficultés malgré des atouts, j'allais dire considérables, encore plus importants que la France, des gens formés, des ressources naturelles. Ils ont un gouvernement assez impécunieux, pour ne pas dire kleptocrate. Et donc, on assiste de plus en plus à l'augmentation de l'inflation, à la fuite devant l'argent. Et donc, tous les gens que je rencontre me disent « mais ça doit être de plus en plus difficile de faire du business en Argentine ». De façon très étonnante, non. Pour l'instant, le business est très bon. Et vous savez pourquoi ? C'est assez simple, c'est que finalement, en Argentine aujourd'hui, il vaut mieux avoir une nacelle que des pesos. Donc, tous ceux qui ont de l'argent la dépensent. Alors, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas combien de temps on sera autorisé à ressortir l'argent qu'on y met, mais on voit bien qu'on a des situations très différentes. Quand on va en Arabie Saoudite, on a un partenaire, on a envie de se développer, mais finalement, lui, il est dans une grande famille, il a l'argent du pétrole, tout va bien. Donc, une fois que le business s'est stabilisé à un bon niveau, sa vision du développement et de la croissance n'est pas la même que la nôtre. Donc, on rencontre des situations vraiment très, très, très diverses et très différentes. Voilà, je ne sais pas si c'est le moment de conclure. Si, je vous en prie, parce qu'il manque une citation. Oui, justement, j'en ai une dernière. C'est, si je voulais résumer mon intervention et pour conclure mon petit exercice de philosophie sur ce qui se cache derrière,
Je pense que c'est important de ne pas s'arrêter au premier niveau des choses. On voit bien que, vu de loin, la France est un enfer, on s'imagine que c'est mieux partout ailleurs, et quand on creuse, on voit que c'est compliqué partout. Alors ça me fait penser, ce n'est pas une citation, c'est une histoire. Je pense que vous connaissez tous l'histoire de Guillot Crié-Tolou, qu'on apprend à nos enfants pour leur expliquer que ce n'est pas bien de mentir. Et on dit, il appelle le loup, il dit « j'ai un loup », tout le monde vient, il n'y avait personne. La deuxième fois, tout le monde vient, il n'y avait personne. Et la troisième fois où il y a vraiment un loup, personne ne vient, il se fait manger. Donc ce qu'on dit à nos enfants, c'est qu'il ne faut pas mentir. Mais en fait, la vraie morale de cette histoire, c'est qu'il ne faut juste pas raconter le même mensonge deux fois. Ben oui, quand on y réfléchit. Et donc, aller chercher derrière, c'est effectivement se demander qu'est-ce qu'on n'a pas vu. Et sur tout un tas de choses, c'est vraiment très très important. Vous l'avez entendu tout à l'heure, la différence entre ce que ça coûte et ce que ça vaut. Alors moi, j'étais très content parce que comme on vend des biens d'investissement, nous, c'est ce que ça vaut, et donc oubliez de me demander ce que ça coûte. Mais c'est comme ça sur beaucoup de choses. Par exemple, je veux revenir là-dessus parce que pour moi, c'est très important. Ce qui a fait qu'Olot a résisté dans la crise, c'est vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vend des machines, vous les exploitez une petite dizaine d'années, et la motivation première, c'est de se dire, on ne peut pas laisser tomber ses clients. Ils nous ont fait confiance, on doit faire tout ce qu'on peut pour être présent dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, quand ils ont encore besoin de nous. La deuxième motivation, c'est la responsabilité vis-à-vis de ses équipes. Parce que finalement, tous les gens qui bossent chez vous, quand une crise comme ça arrive, ils n'ont rien fait de mal. Il n'y en a pas un seul qui a fait quelque chose de difficile, qui a fait une erreur. On en a fait plein, mais en tout cas, quand une crise de ce type arrive, vous ne pouvez pas dire, c'est de la faute d'un tel, on n'a pas bien bossé, on n'a pas fait ceci. C'est juste que pendant un délai très court, le marché disparaît. Et on a une énorme responsabilité. Et là aussi, je pense que ce qui est très important en France, c'est que les gens se rendent compte que le chef d'entreprise, c'est d'abord un être responsable de ses équipes. Et ce n'est pas du tout comme un certain nombre de gens essayent de le faire croire. En fait, en France, on a réussi, on n'a même plus besoin de le dire, maintenant un patron, c'est un patron voyou. Mais en fait, un chef d'entreprise, c'est un chef d'équipe qui est responsable de l'ensemble de ses équipes. Et si je peux vous faire sourire une dernière fois, parce que je pense que c'est important, je vais juste citer Churchill. Et je pense que ça s'applique à tout. Alors, un peu plus à la politique qu'à la vie de l'entreprise, mais quand même, il donnait cette définition suivante du succès. C'est de la capacité d'aller d'un échec à l'autre sans perte d'enthousiasme. Merci. Alexandre Sobo. Merci. Alexandre Sobo en 5 citations. Retenons, pourquoi avons-nous résisté ? 2 points. On ne peut pas laisser tomber nos clients. On est responsable vis-à-vis de nos équipes. Elles n'ont rien fait de mal. Un flocon n'est pas responsable de l'avalanche. 2e exemple. Nous allons maintenant chez Chronoflex. Chronoflex, leader du dépannage flexi-hydraulique. C'est le R de DLR, 240 salariés, 18 millions de chiffre d'affaires. Voici ce qui leur arrive. En 2009, le chiffre d'affaires chute de 34%. Ce n'est pas encore si grave. Ce qui est plus grave, c'est la conséquence. Ce qui vient derrière, c'est le plan social. Et l'équipe de direction est profondément traumatisée par ce qu'elle vit, parce que la communauté au travail vit. À partir de là, une question, comment faire en sorte que plus jamais cela ne nous arrive? Et c'est cette réflexion, la réponse à cette question, que nous allons voir maintenant. Jérôme Jambu, bonsoir. Merci Thierry. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ici avec 2 personnes, allez-y. Alors 2 charmants colistiers, Greg et Yann, qui vont représenter l'ensemble des salariés de Chronoflex, donc on est 250 aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est que je voulais qu'on fasse vivre l'aventure qu'on vit depuis 4 ans et qu'on le représente avec nous 3. Vous êtes donc directeur général Chronoflex. Ma question est la suivante. Comment démarre votre réflexion ? Nous sommes en 2010, une première rencontre. Alors, je vais reprendre ce que vous avez dit, Thierry. Donc, une quête très, très, très forte. Donc, forcément, quand vous êtes à la tête d'une entreprise, qu'Alexandre a créé cette entreprise il y a près de 18 ans, et que vous vivez de croissance en croissance d'une année sur l'autre, et que vous êtes touché en 2009 par cette crise qui génère 34% de régression de chiffre d'affaires, on s'est dit, ne plus jamais revivre cela. Et donc, ça a été notre quête. Et notre quête, le fruit du hasard, a fait qu'on a eu 2 rencontres. La première rencontre, et ça va vous parler pour bon nombre d'entre vous, parce qu'on l'a rencontré au Journée de la location au mois de novembre-décembre, on a rencontré Jean-François Aubryst. Et Jean-François Aubryst, lors d'une conférence, il nous a fait goûter le gâteau. Il nous a fait goûter ce gâteau, et ce gâteau qui nous a dit, il faut qu'on essaie de comprendre ce modèle.
Il faut qu'on essaye de comprendre et de tenter de comprendre ce modèle qui semble palpable, qui semble positif et qui semble marcher en Picardie. On a aussi travaillé, et vous imaginez quand vous êtes manager, que vous êtes construit, que vous avez fait des études, que vous êtes devenu chef. Imaginez, il nous a fallu travailler notre soi, notre ego de manager. Il nous a fallu devenir coach et non plus chef. On a fait en sorte de faire tomber également les signes de pouvoir. Et des signes de pouvoir dans une entreprise, quand vous êtes chef ou manager, il y en a un paquet. Et on a fait en sorte de construire avec toutes nos équipes nos valeurs, les valeurs qui représentaient l'entreprise pour l'ensemble des salariés de l'entreprise. Et on a fait en sorte de construire également la vision de l'entreprise tous ensemble. Et tout ça, on a engagé ces démarches-là après notre première rencontre avec Jean-François Zobrist. Donc ça, c'est 2010 ? C'est 2010-2011, oui. 2010-2011. Arrive le 1er janvier 2012. Que faites-vous ? Alors, entre-temps, il y a une deuxième rencontre. Ah. Une deuxième rencontre, une rencontre avec Isaac Goetz. Isaac Goetz, qui est professeur, ceux qui s'intéressent un petit peu à la libération de la prise d'initiative des collaborateurs. Isaac Goetz, qui est professeur à l'ESCP Europe Paris. Et Isaac, il nous a fait passer, après avoir eu le gâteau par Jean-François, il nous a fait passer la recette. Et là, quand vous avez le gâteau et que vous avez la recette, et que pendant près d'un an, un an et demi, avec l'ensemble du comité de direction, l'ensemble des équipes, vous avez cherché ce modèle, vous l'avez adapté, vous avez construit la vision, vous avez construit ses valeurs, eh bien, on s'est dit, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on débute les grands travaux avec l'entreprise. Et donc, il y a eu cette réunion de lancement, parce qu'il y a une réunion de lancement comme vous pouvez y en avoir régulièrement dans le groupe et chez Chronoflex, une réunion de lancement ce 7 janvier 2012 qui a pour nous été le premier saut en parachute. Alors, c'était quoi ? Clairement, que faites-vous ce jour-là ? Je ne sais pas, vous voulez parler, non, les gars, attendez, parce que... Votre objectif, c'était ? Notre objectif, c'est de réunir l'ensemble des salariés et dans un dire... lieu à Angers, près de 250 salariés ce jour-là. Et puis deux énergumènes sur une estrade, ces énergumènes Alexandre et moi-même. Et puis au lieu d'un grand monologue, d'un grand PowerPoint et de la présentation des chiffres de l'entreprise, eh ben, on a commencé à leur poser des questions. Et puis on a fait en sorte qu'ils trouvent les solutions. Et puis ce jour-là, ben, on a fait en sorte surtout de supprimer l'ensemble des managements intermédiaires. Voilà, donc attention, c'était supprimer l'ensemble du management. Supprimer un certain nombre de managements intermédiaires. De management intermédiaire. Greg, vous assistiez à cette réunion ? Oups, si on peut allumer le micro, ou bien voilà, changer de micro. Vous avez assisté donc à cette réunion qui était capitale. Comment venez-vous ressorti ? Quand vous ressortez, est-ce que l'entreprise avait changé ce soir-là ? Non. Non. Non, parce que nous, on nous a donc conviés tous ensemble. On nous a expliqué, bien dans le micro. On nous a expliqué donc que ça allait se passer comme ça devait se passer. Et en fait, à la sortie de la réunion, on avait décrété donc, c'est ça, plus de chef, plus du tout. Plus de manager, plus rien, et on avait nos régions qui étaient redéfinies, mais c'est nous qui avons décidé, les techniciens, les gens du terrain qui avons décidé qu'il fallait redessiner la France. Ça veut dire que toute la journée, on vous avait interrogé, comment on redessine ça géographiquement les opérations. Ça a pas pris la journée, ça a pris deux petites heures à peu près, je crois. On s'est tous mis autour d'une table, on nous a dit voilà, on nous a mis la France derrière en arrière-plan. Et on nous a demandé de dessiner nos régions comme on voulait. C'est-à-dire, faites le nombre de régions que vous décidez, vous, entre vous. Donc on s'est rassemblés. Bon, moi, pour ma part, j'ai la région Côte d'Azur, donc c'est 83-06. Au début, j'avais le 04. Et au bout d'un petit quart d'heure, 20 minutes de pourparler, le 04 a bifurqué sur une autre région, qui est devenue la Provence. Et ça a fait exactement pareil pour toutes les autres régions de France. Et on est arrivé à 13 ou 14 régions au bout de deux heures. Lorsqu'on a démarré cette fameuse journée, est-ce que vous étiez déjà responsable en charge d'une région ? Pas du tout. Et lorsqu'on a terminé cette journée, où en étiez-vous ? Ben, j'étais capitaine de la région Côte d'Azur. Nommé comment ? Par quelle administration ? Alors en fait, on s'est réunis autour de notre table, on a défini notre région entre tous nos collègues et on a fait un vote à main levée. On était 8 techniciens et on a demandé qui est-ce qui pouvait prendre la région Côte d'Azur. Et il en est sorti que c'était moi. Et vous vous étiez présenté comme candidat ou pas ? Tout le monde était potentiellement candidat. Mais ouais. C'est vous qui avez recueilli le maximum de voilà. Votes. Parfait. Est-ce qu'on avait défini le profil du poste ? Oui, vaguement on avait défini le profil du poste, oui. Donc autrement dit, plutôt que d'être nommé par au-dessus, vous avez été nommé par en-dessous. C'était le but, oui. C'est ça l'idée. Ouais, ouais. D'un coup, vos collègues devenaient vos subordonnés. Pas du tout. Pas du tout. Non, c'était juste que je devenais donc le potentiel, donc le capitaine de la Côte d'Azur. J'étais toujours technicien. Je faisais exactement le même boulot, le même travail que je faisais avant.
mais j'étais entre guillemets le, comment on peut dire, le porte-parole de la région par rapport au siège. Avez-vous eu l'impression au terme de cette journée que l'entreprise avait fondamentalement changé, que quelque chose avait vraiment changé? Oui, oui, ben oui. Déjà, nous, ça faisait 4 mois, ça, pour ma part, ça faisait 4 ans que j'étais dans l'entreprise. Déjà, de ne plus avoir de chef, entre guillemets, on n'était pas perplexe, mais c'était dire comment ça va fonctionner, quoi. Ouais. Et là, maintenant, au bout de bientôt 3 ans, pour l'instant, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. On voit ça dans un instant. Yann, bonsoir. Bonsoir. Vous-même, vous êtes entré chez Chronoflex quand? En 2004. 2004. Et vous avez travaillé en continuité, sans discontinuer, pardon, ou bien vous êtes parti à un moment donné de chez Chronoflex? Je suis parti de Chronoflex en 2010. Oui. Donc, et vous êtes revenu quand? Il y a un mois. Autrement dit, en 2010, vous quittez l'entreprise qui est structurée pyramidalement, nous sommes d'accord, verticalement. Exactement. Vous revenez à un mois. Tout a changé. Alors expliquez-nous, quel est le changement que vous constatez? Le changement, il est simple, c'est-à-dire que Chronoflex, avant, les techniciens sur le terrain, on avait du mal à poser nos idées, à imposer nos idées. Aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est-à-dire? Tout le monde peut travailler ensemble, tout le monde réfléchit, on peut avancer tous ensemble. Donc c'est-à-dire, vous pouvez dire vos idées, vous êtes écoutés? Exactement. Ce n'était pas nécessairement toujours le cas avant? C'était pas évident avant. Ça veut dire aussi que votre capacité d'écoute est-elle plus sollicitée aujourd'hui qu'avant? Bien sûr. C'est-à-dire que vous-même devez faire cet effort? Oui. Avant, c'était compliqué parce qu'on avait des chefs, donc N+1, donc on était obligé de passer par les chefs. Aujourd'hui, c'est l'équipe, on est tous responsables sur un secteur. Jérôme Jambu, ça veut dire quoi quand on dit aujourd'hui, voilà, ce sont les équipes qui se gèrent, je vais le dire comme ça, ou en tous les cas qui ont des objectifs? Comment ça se passe? Quel est, vous, votre rôle vis-à-vis des équipes? Alors, mon rôle, c'est un rôle de coach. Mon rôle, c'est un rôle de leader. Ça veut dire. Alors, j'ai envie de vous dire, mais on ne va pas poser la question à la salle, quelle est la différence entre un leader et un manager? Un leader, c'est celui qui est au service de son équipe. Un manager, c'est qui pense que son équipe est à son service. Donc dans l'équipe, dans l'équipe de team leader, et j'en ai deux charmants en face de moi, on est une équipe d'une vingtaine de team leaders. Nous sommes des leaders au service de nos équipes. On a deux types de clients dans l'entreprise. On a le client externe, ils sont tous dans la salle. Et on a le client interne, c'est tous les hommes qui font le job. On a aussi revalorisé la valeur du technicien, à savoir que le technicien, c'est celui qui fait, et donc c'est celui qui sait. Donc finalement, on a inversé la pyramide dans l'entreprise. Aujourd'hui, on a... La richesse, la création de valeur ajoutée, ce sont les hommes du terrain. Donc on leur a donné le pouvoir de décider, on leur a donné le pouvoir de s'organiser, on leur a donné le pouvoir de pouvoir recruter, on leur a donné le pouvoir de mettre fin à des périodes d'essai, on leur a donné le pouvoir de pouvoir lire des chiffres et de pouvoir débriefer leurs chiffres, on leur a donné le pouvoir de pouvoir visualiser les chiffres de l'entreprise. C'est qu'on a un système de communication via notre réseau qui permet à tout un chacun d'entreprise, à tout instant, de pouvoir se connecter et de visualiser les chiffres d'entreprise en temps réel. Mais quand je dis les chiffres d'entreprise, jusqu'au résultat net chaque mois de l'entreprise. Tout collaborateur de l'entreprise Chronoflex aujourd'hui et tout collaborateur du groupe Innovone ont accès à tout instant à tous les chiffres de l'entreprise. Alors bon, soit vous inversez la pyramide, si ça vous chante, je vais être provocateur, parfait, ça ne me dérange pas. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que la structure que vous mettez en place obtient des résultats que vous n'auriez pas obtenus autrement? Alors, on va rester très très humble. On a engagé ce chemin. Alors, l'équipe de direction, l'ex-équipe de direction, parce que maintenant nous sommes un brief, nous sommes une équipe, on a engagé ce chemin il y a près de 4 ans. On a vraiment fait le premier saut en parachute le 7 janvier 2012. On a fait un deuxième saut en parachute qui a été le premier résultat du travail collectif de l'ensemble des équipes, à savoir que ce deuxième saut en parachute, on l'a fait pendant que notre cher Alexandre était à l'autre bout du monde. Et on en a profité parce qu'on a révolutionné l'ensemble de la rémunération de l'entreprise. Donc, et c'était le 1er mars 2013, donc c'était à peu près il y a un an. Je vous dis, on a vraiment profité, hein, et à distance, c'était très stressant pour lui. À savoir qu'on a révolutionné le système de rémunération, et donc on a fait un deuxième chiffre. C'est-à-dire, pendant des années, vous aviez les bâtons, les carottes, les primes, plus t'en fais, plus t'en as, tu fais un nouveau client, t'as tant de primes, enfin les variables classiques d'un technicien, d'un commercial ou de tout team leader. On a construit avec l'ensemble des équipes pendant près d'un an un système de rémunération qui est aujourd'hui basé sur le partage d'un pourcentage de résultats pour chacun des collaborateurs de l'entreprise. À savoir qu'un homme du terrain, il est rémunéré sur un pourcentage de résultats sur sa propre marge nette de son activité.
Une équipe, une région, l'équipe Côte d'Azur, cumule en plus une prime collective qui est la soulte des résultats nets et des marges de l'ensemble des hommes de la région. Et le troisième effet qui se coule, il y a également un pourcentage du résultat au semestre dont l'ensemble des salariés d'entreprise se partagent à part égale. C'est que vous soyez team leader, que vous soyez technicien, que vous soyez hôtesse, que vous soyez téléopératrice, chacun va toucher la même somme, à savoir que la somme, on la verse au prorata du temps passé dans l'entreprise, et non pas du salaire. Parfait. Donc ça, c'était le deuxième saut en parachute. Alors, oui, ce que j'aimerais, c'est avoir maintenant la réaction. D'où vient votre motivation, capitaine ? La motivation pour être capitaine ? Non, d'où vient votre motivation dans l'entreprise ? Pourquoi le matin, vous vous réveillez en chantant ? Si vous vous réveillez en chantant. Je me réveille en chantant, oui, c'est clair. Oui. Pourquoi ? Parce que d'abord, j'aime ce que je fais. C'est un métier qui, à la base, qui me va très bien, qui me plaît. Et là, d'avoir ce nouveau challenge de capitaine, sans être justement directeur ni chef, c'est que mieux. Dès qu'on a la confiance de notre équipe, il y a tout qui fonctionne. Il y a plus, je sais pas, c'est pas le pays des bisounours, je veux pas dire ça, mais ça fonctionne super bien. Il y a plus d'absentéisme, il y a plus de maladies. Le client, on le passe en priorité. Donc, pour ma part, moi, pour ma région Côte d'Azur, c'est que du bonheur et ça continue à l'être. Jérôme Jambu, j'ai une dernière question. On a démarré en disant plus jamais ça. C'est là-dessus où la réflexion a commencé. Pouvez-vous avoir presque la certitude aujourd'hui que ce plus jamais ça, effectivement, vous y avez répondu, vous l'avez atteint ? On a construit un modèle. On a construit notre modèle. On est très vigilant chaque jour. On est très vigilant à deux niveaux. Le premier, c'est que le chemin sera long. Je vous rappelle, on est à deux ans. On a vraiment fait le premier saut en parachute il y a deux ans. On pense pouvoir récolter le vrai fruit des premiers résultats, enfin le résultat de ces actions peut-être en 2-3 ans, 3-4 ans. La deuxième chose, c'est une vigilance de tous les instants par rapport à nous, les team leaders, et à nous, notre posture, parce qu'on doit avoir une posture de coach, on doit avoir une posture de team leader et non pas une posture de chef. Donc tous les jours, on est vigilant et tous les jours, on fait en sorte de se regarder dans la glace. Yann, Greg et Jérôme, on peut les applaudir. Chronoflex. Je vous laisse presque le mot de la fin, Hans, que vous inspirent ces deux expériences. Une première qui a été douloureuse, on l'a dit, vraiment, on a réduit, on a soldé pas mal de choses, mais on s'est attaché à deux valeurs principales. Et ici, pour répondre à une question fondamentale, pour que ça ne nous arrive plus, on a inversé complètement l'organisation, l'inversion n'étant pas encore terminée. Votre commentaire. Pour commencer, je ne vais pas jouer au prof qui donne des notes à des gens qui citent admirablement leurs auteurs. Je vais au contraire entrer en compétition avec l'élève et citer à mon tour. Pour commencer, je vais faire trois citations qui peuvent s'égrener d'ailleurs de manière à répondre un peu à la problématique qui a été traitée. Il y a une première citation d'Héraclite. Héraclite, un philosophe grec, ça fait 500 avant notre ère, qui dit que l'inattendu, si tu ne l'attends pas, tu ne le rencontreras pas. C'est un paradoxe extraordinaire qui explique, par exemple, comment se produit le coup de foudre. Si vous allez avec un projet de profil sur Mythique, vous avez certainement l'attendu au bout du fusil. Mais le coup de foudre, c'est l'inattendu dans cette affaire. Or, comment peut-on se mettre dans une disposition qui consiste à attendre l'inattendu ? C'est une sorte de paradoxe, mais d'une profondeur insondable. Or, tous ceux qui font face à des situations de crise ne sont capables de surmonter cette difficulté que s'ils ont cette disposition. Puisque dans la crise, on est mis au pied du mur, on sombre ou on survit, on l'a suffisamment entendu. Or, ceux qui survivent sont ceux qui ont cette espèce de capacité de souffrir, de s'ouvrir à ce qui est inattendu et de s'engouffrer dans cette ouverture. On peut maintenant essayer de développer cela, mais je cite une deuxième phrase d'Héraclite, qui dit que la nature aime à se cacher. Or, le mot nature en grec ancien, c'est physis. Il faudrait plutôt traduire par l'éclosion.
Funai veut dire croître. L'éclosion, c'est un paradoxe, aime à se cacher. C'est-à-dire la chose qui est en train de germer est peut-être la chose la plus difficile à appréhender. Alors, une des conditions pour qu'on soit capable d'appréhender ce qui est en train de germer, c'est d'avoir accepté d'attendre l'inattendu et pas quelque chose qui est déjà balisé. Ces deux citations se répondent de cette manière. Et puis une troisième citation, toujours d'Héraclite, l'harmonie invisible est plus puissante que l'harmonie visible. L'harmonie, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça vient d'ailleurs d'un radical indo-européen, art que vous avez dans art, dans articulation, que vous avez dans toutes sortes de mots, qui indiquent que deux choses s'agencent. Donc une harmonie, c'est un bon agencement. Or, il existe des agencements invisibles qui sont plus puissants que les agencements visibles. Alors, les agencements visibles sont les agencements dont on a connaissance et qu'on n'a plus besoin d'attendre, au fond, parce qu'ils comblent toutes les attentes immédiatement. En revanche, ce que j'appelle l'éclosion avec Héraclite, c'est ce qui surgit comme un agencement tout à fait improbable et qui contient par là une promesse qu'il faut prendre le risque de saisir. Et donc, dans ce cas, attendre l'inattendu, c'est être prêt à prendre le risque de vivre. Merci beaucoup à Heinz Wissmann pour ce commentaire en trois citations qui répondait au monde d'Alexandre Sobo en cinq citations.